En ce moment, on assiste à des records de chaleur partout en France et notamment dans le sud-ouest. Sud-ouest qui est quand même le pays du vin. Alors j'ai voulu un peu me renseigner de savoir jusqu'à quel point le réchauffement climatique pouvait avoir des conséquences sur la production du vin. Et vous allez voir, j'ai appris beaucoup de choses parce que moi le vin, je sais que le boire, mais j'ai appris beaucoup de choses. Blague à part, c'est quand même un sujet très sérieux. Les vignerons et les viticulteurs font face à des conditions météorologiques complètement atroces ces derniers mois entre le gel, la sécheresse, les incendies. Et ce que j'ai appris grâce à la BBC, c'est qu'en fait, tout ça a des conséquences sur la production du raisin et sur le goût du vin in fine. C'est ce que m'a dit Maxime Toubard, président du syndicat des vignerons de la Champagne. Quand il fait trop chaud et trop beau, il y a plus de sucre dans le raisin et donc il devient plus acide. Et qui dit vin plus sucré, dit aussi vin plus alcoolisé. Il y a un autre problème, c'est les incendies. On en a vu énormément en France cet été. Alors s'ils ne détruisent pas forcément les vignes, eh bien la fumée peut s'être collée sur les pellicules de raisin et donc on pourra avoir, selon certains secteurs, un goût de fumée sur le raisin et donc dans notre vin. Alors il existe quelques solutions. Maxime Toubard m'a par exemple expliqué qu'il mettait des raisins dans des caves pour les rafraîchir. On peut aussi restaurer les sols pour les adapter au réchauffement climatique ou bien récolter encore plus tôt dans l'année, même si en moyenne les vendanges ont déjà lieu 18 jours plus tôt qu'il y a 40 ans. N'hésitez pas à nous dire si vous le ressentez déjà, si le goût du vin a changé ou si c'est quelque chose qui vous fait peur.